6 sur le foncé. 5 sur le coq blanc. Et moi, j'en mets 20. Allez, attaque! Vous suivez la mise, monsieur Gern? Tu ne veux pas parier sur le dernier? Non, merci bien. Eh bien, allez, ça rendra la partie plus intéressante. N'est-elle pas déjà palpitante? Je croyais que tu voulais visiter Porto Rico. Eh bien, cela fait partie. C'est la partie que tu voulais voir. Lequel vous voulez? J'en remets 5. Le blanc. Voilà les 10 que je vous dois, monsieur. Harold. Harold. Martin. Vous êtes en avance. Vous êtes en retard. Et vous avez des ennuis. J'ai pas lu les nouvelles. Merci. Ils veulent vraiment me faire la peau. Inculpé. Ce mot me pose vraiment problème. C'est comme s'il voulait dire quelque chose. C'est peut-être le cas. Harold, sérieusement, vous devriez vous en inquiéter. Je ne m'inquiète jamais, Martin. J'engage de jolis petits avocats comme vous pour le faire à ma place. Et vous voulez parier? C'est le dernier combat. Non, merci. Eh bien, moi si. Tiens, voilà mon bookmaker. Cigarette? Je suis Eve Gern. La femme d'Harold? Occasionnellement. Merci. Je n'ai jamais compris l'intérêt que portait mon mari à voir deux animaux se battre jusqu'à ce que mort s'en suive. Je suis comme vous. Hé hey. Ah, ces bookmakers ne sont qu'une bande de roublards. Que s'est-il passé? Vous avez raté votre match? J'ai dit roublard. Ah, vous vous étiez déjà rencontrés? Nous venons de nous présenter. Je me suis marié entre deux procès. Martin m'a défendu l'année dernière dans le même genre d'affaires, et il a été impeccable. C'est l'idée que se fait le gouvernement de la justice. Chaque année, il s'en prend à moi et me poursuit pour remplir leur fonds de retraite. Je parie sur celui-là. Vous pariez sur lui? Exactement. C'est un bon choix. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai renversé mon verre. Hein? Je vais devoir me changer. D'accord, chérie, pas de problème. Reste là, je reviens. Je vais chercher mon argent. Et nous trouverons un endroit pour parler. Oui, nous trouverons un endroit pour parler. Et rien ne va plus. Et le gagnant est... C'est reparti. À qui le tour? Harold, ce n'est pas ce genre d'endroit que je pensais pour parler. Vous êtes trop conservateur, mon garçon. 7 gagnants. Ça pourrait pas aller mieux, vraiment. Je remise tout sur le même. Le même? Ça pourrait pas aller mieux. 5. Écoutez, Harold, je ne sais pas ce qui vous est passé par la tête, mais je ne suis pas venu pour vous regarder assister à un combat de coq, ni vous regarder jouer au craps. Vous savez, votre partenaire pense... Partenaire pense. Marty pense. C'est moi qui fais rentrer l'argent, donc Marty n'a pas à penser. Alors laisse-moi profiter de mes vacances. Rien ne va plus. Tentez votre chance sur le 7. Bon, allez, en route. J'ai quelques dossiers dans ma chambre. Lisez-les, nous en reparlerons ensuite. D'accord. Mais j'aimerais vraiment que vous fassiez plus attention avec la loi. Bien. Je ferai plus attention si vous me promettez de régler cette affaire dans la semaine. Vous semblez plus pâle que l'année dernière. Vous vous inquiétez trop, Martin. Avec des clients comme vous, comment pourrais-je faire autrement? Comme vous y allez. Vous savez ce que c'est, Harold. Je vieillis. Devenez vieux jeu. Eve vous donnera les dossiers. Et vous, où allez-vous? Je dois récupérer mon argent. Je crois que je viens de trouver ma dernière volonté. Mais
elle ne pourra être exaucée que si vous voulez bien descendre de là. Oh, cela ne vous amuse pas? Faites attention à votre verre. Si j'avais fait attention, vous pensez que je serais là? Ne croyez-vous pas que vous êtes allé assez loin? Valiverne, on ne va jamais assez loin. Hein? J'ai si peu à dire. Et personne qui m'écoute. Harold, que Dieu le bénisse, a une oreille plutôt sélective. Je vous en prie, pardonnez-moi, je ne me comporte pas ainsi d'habitude. Je vous comprends très bien. Vraiment. Merci, Madame Guerin. Evelyn? Evelyn. J'étais sûr qu'il ferait beau ce matin. Ah oui, vraiment. Allez, soyez pas rancunier. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de mélanger plaisir et affaire? Eve, ne fais pas cette tête-là. Voilà le programme. Une petite croisière, une petite plongée, un petit déjeuner et un peu de travail. Plus ou moins dans cet ordre. Vous avez étudié ces dossiers? Bien sûr que je les ai étudiés. Alors, suis-je innocent ou coupable? Vous n'êtes pas coupable, Harold. La question n'est pas là. Vous avez un peu transgressé la loi, mais vous n'êtes pas coupable. Et vous savez bien que même si vous l'étiez, vous n'iriez pas en prison. À condition que vous gardiez votre argent. Martin, vous ne me comprenez pas. J'aime faire de l'argent. Harold, si on allait nager? Bonne idée. Martin? Non, merci. Ah, s'il vous plaît, j'insiste. Ça vous détendra un peu. En plus, je viens d'acheter un nouveau matériel de plongée et j'aimerais pouvoir l'essayer. Manuel, on s'arrête ici. Allez, Martin, allons-nous changer. Je suis désolée, je ne voulais pas faire ça. Il y avait une remonta derrière vous. Vous êtes blessé? C'est pas profond. Harold! Harold! J'ai l'impression que je vais devoir vous porter tous les deux. Je manque d'air! Il y a un problème. Remettez vos masques. On est peut-être remonté trop vite. Ne restons pas là, on ferait mieux de retourner sur le bateau. Venez nous aider.
inutile. Venez. Viens, Eve. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On dirait qu'il ne peut pas respirer. Martin ? Martin ! Il y a quelque chose dans l'air, si on le respire... Combien de temps est-ce qu'on peut tenir avec ces bouteilles ? Une heure. Est-ce que vous en avez en réserve ? Allez les chercher, je vais essayer la radio. N'enlève pas le détendeur. Ici, Gern, est-ce que quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Harold, ça ne passe pas. Nous devons retourner en ville le plus vite possible. Je mets les gaz, occupez-vous d'Evelyn. Ça ne démarre pas. Elles sont humides ? Je n'arriverai pas à le mettre en marche. Prenons les bouteilles de réserve et le canot de sauvetage. On n'est pas très loin de la côte, on verra quoi faire ensuite. C'est toujours la même chose avec ces gouvernements de sauvages. Ils auraient pu nous prévenir, non ? On a encore combien d'air dans ces bouteilles ? 40 minutes. On n'arrivera jamais à la ville si on suit la plage. Il va falloir couper par la jungle. Au moins comme ça, on va satisfaire notre curiosité. Harold, je t'en prie. Arrête avec ça! Si quelqu'un a survécu, il doit nous entendre. Harold, nous devons enlever ces détendeurs maintenant. Mais si on fait ça... Ça ne changera rien, elles sont vides. Allez au diable! Eve. Courage, chérie. Banzai. Harold, qu'est-ce que vous faites ? Harold ! Harold ! Qu'y a-t-il ? Allez, répondez-moi.
Martin, vous voulez bien arrêter de respirer ces plantes et répondez-moi. Il y a de l'air, Harold. Bien sûr qu'il y a de l'air. Mais non, pas bien sûr. Les allumettes ne prenaient pas, maintenant elles prennent. Quelque chose avait enlevé l'oxygène de l'air et maintenant il est revenu. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Les plantes vertes. Ce sont les plantes vertes. C'est elles qui rejettent de l'oxygène. Qu'est-ce que vous avez? Je ne me sens pas très bien. Je crois qu'il n'y a pas tant d'air que ça. Martin, comment ça sera en ville? On ferait mieux de reprendre notre route pour voir l'étendue du désastre. Semble si calme. Allons-y doucement, il faut économiser nos forces. D'accord, allons-y. On s'occupera d'eux quand on reviendra de l'hôtel. Eve, tu viens? Non, je ne bougerai pas. Non, laisse-moi, je ne veux plus rien voir. Laisse-moi! Eve, je t'en prie. Je ne bougerai pas! Opératrice? Opératrice? Vous m'entendez? Personne ne répond. Nous devons faire quelque chose. Je peux avoir un verre? Personne n'a dû prendre de verre ici depuis un bail. Un scotch? S'il vous plaît. Martin, qu'est-ce qui a pu se passer? Oh, je parierais sur une bombe. Ou sur une catastrophe naturelle. Quelle différence cela peut faire? Le résultat est le même. Allez-y doucement. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. On ne peut pas rester là, il faut faire quelque chose.
On pourrait peut-être rentrer à New York. Et voir 7 millions de corps en puant tirer toutes les rues, non merci. Ça n'a pas pu se propager. Harold, personne n'a répondu ni à la radio ni au téléphone. S'il y avait des survivants, on aurait eu une réponse. Et vous pouvez parier que quoi qu'il se soit passé, on n'a pas encore vu le pire. On devrait rester ici. Vous avez un endroit où aller ? Comprenez-moi bien, je n'aime pas plus que vous l'idée de me retrouver dans un monde rempli de cadavres. Un trop long séjour nous mettrait en état de choc. Marty, il a une maison au bout de l'île. Alors allons-y, je n'aime pas cet endroit. Apportez-moi un marteau et un burin. Vos désirs sont des ordres. On va entrer par effraction. Merci. Il ferait peut-être mieux de passer juste une nuit ici, et on en reparlera demain. Martin, il y a une autre chambre au premier étage. Oh, Madame Guern. Merci. Bonne nuit. Test 1, test 1. Quelqu'un m'entend? Test 1, Martin? Oui? Retrouvez-moi dans le bureau le plus vite possible. Martin, vous m'avez entendu? Ouais. Qu'est-ce que c'est, selon vous ? La fin du monde, monsieur Guern. Écoutez-moi bien. Je crois que nous allons devoir nous mettre d'accord. Ne parlons de ça qu'en cas de nécessité. Il ne s'agit pas que d'en parler. Je vous ai fait venir dans ce bureau parce que je pense que nous devons décider de ce que nous allons faire. Harold, il y a assez de boîtes de conserve pour tenir des années.
Et même si nous venions à en manquer, nous n'aurions plus qu'à nous boucher les narines et aller nous approvisionner en ville. Vous ne rendez pas les choses faciles. Comment cela pourrait-il être plus facile? La luxuriante île de Porto Rico, une villa luxueuse, et toute une vie à se baigner dans le luxe. Bonjour. Et puis-je me joindre à vous? Le briquet fonctionne. Ne trouvez-vous pas cela merveilleux? Tu as trouvé quelqu'un qui te résistait, Harold? Tu devrais finir de t'habiller. Pourquoi? Tu attends de la visite? Martin est là. En effet. Comment vont votre famille et vos amis, Monsieur Joyce? Ravi que vous soyez passé. Qu'aimerais-tu que je porte pour l'occasion? Une robe de soirée? Une robe d'intérieur? Un slip? Il risque de rester parmi nous un moment. C'est bon. On est embarqué dans une drôle d'histoire. Une histoire sans précédent. Mais je ne vais pas m'effondrer et j'empêcherai que quiconque s'effondre si je le peux. Écoute, on ne reconstruit pas tout en un jour. Je n'ai pas eu mon argent en un jour. Et vous l'avez perdu en 20 minutes. Nous allons élaborer un plan et le suivre scrupuleusement. On n'a pas le choix, il faut qu'on s'adapte. On fait les choses étape par étape. Et alors, tout ira bien. Evelyne, si on prenait le petit déjeuner. Je vais d'abord me changer. Evelyne! Martin, venez là! Quoi? Nous avons de la compagnie. Un nouveau visiteur! Où allons-nous bien pouvoir le mettre? Le problème est plutôt de savoir d'où elle vient. Elle devrait être morte. Elle sort peut-être tout juste de l'œuf. De toute façon, les fourmis doivent pouvoir vivre plus longtemps que nous sans oxygène. Elle n'a pas l'air en forme. Il va y avoir plein de pourriture sur cette île. Ces choses vont proliférer. Les fourmis, les moustiques, les maladies tropicales. Tôt ou tard, nous devrons partir d'ici. Où qu'on aille, ça ne sera pas la même chose? Il nous reste toujours l'Arctique. On ferait bien de faire ça. Allez au nord. Vous ne croyez pas que c'est un peu précipité de vouloir partir pour le nord uniquement par crainte d'une simple invasion d'insectes? Écoutez, je n'ai jamais dit demain et je n'ai pas non plus parlé du pôle nord. Mais j'ai pu vouloir dire... Eh bien, disons, le nord du Canada. Maintenant, pour nous y rendre, nous devrons apprendre à naviguer. Et pour être autonome, nous devrons apprendre à pêcher. C'est d'accord? C'est d'accord. Ainsi, nous nous débarrasserons des insectes, mais aussi des maladies et des choses liées à la conservation des aliments. Mais surtout, nous devons trouver des survivants. Après tout, nous sommes trois à être arrivés ici. D'autres sont morts, mais d'autres ont pu survivre. Je me trompe? C'est vrai. Vous savez que j'ai raison. Thank you.
Miroir, miroir, mon beau miroir. Qui est la plus belle femme au monde ? Poisson. Nous pêcherons peut-être du saumon dans le nord du Canada. Nous chasserons avec les ours polaires. Qui sait ? On ne part pas encore. Merci. Pourquoi ? Il ne fait pas beau. Je ne veux prendre aucun risque inconsidéré. Harold, il pleut sans arrêt par ici. Je sais. Mais le temps n'empirera pas. De plus, vous et moi n'y connaissons pas assez en navigation pour pouvoir affronter une tempête. Et sans les étoiles, nous sommes morts. De quelles étoiles parlez-vous ? De celles qui sont dans le ciel ou de celles qui ornent vos billets ? Martin. Eve, je veux parler avec Martin. Alors parle. Seul à seul. Affaire. Est-ce qu'il y a un problème entre vous deux que j'ignore ? Nous parlerons de cela plus tard. Écoutez, j'ai vu que nous avions un problème. Un gros. Et nous n'avons jamais voulu le regarder en face. Il ne faut pas rester ici. Écoutez, Harold. Plus vite nous partirons et plus vite nous irons mieux. Oui, d'accord. La situation est inconfortable. Mais nous ne quitterons pas cette île avant d'être prêts. Et en attendant ce moment, nous devons nous efforcer d'avoir un but et de travailler pour l'atteindre. Et pour moi, le travail est tout ce qui importe. C'est la seule chose qui sauvera notre équilibre mental. Harold, je ne suis pas sûr de ressentir un besoin inné de travailler. Mais il y a peut-être un problème chez moi. Je ne le crois pas. Et j'aimerais aussi vous parler d'autre chose. Cette affaire concerne Evelyn. Comment ça ? Quelle affaire ? Cette histoire d'une femme et de deux hommes. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. J'imagine qu'on va devoir juste vivre avec. Ou plutôt, moi, je vais devoir vivre avec. Je ne vois aucune autre alternative. Où allez-vous ? Voir Evelyn. Et après, au lit ? N'oubliez pas que nous sommes mariés. Alors c'est légal, hein ? Écoutez, votre mariage a autant de sens sur cette île que votre argent. C'est différent, l'argent c'est du papier. Mais pas notre mariage. Arrête, s'il te plaît. Cela ne résoudra rien. Qu'y a-t-il à résoudre ? Tu ne vois vraiment rien. Harold, dans l'autre monde, tu ne m'as pas donné la moindre chance de trouver d'où je venais. Et tu ne le fais pas non plus maintenant. Je vais te dire d'où tu viens. Tu es ma femme. Je t'en prie. Tu es ma femme. Je vais pêcher et je reviens.
Quoi de neuf? Pas grand-chose. Pourquoi n'êtes-vous pas parti pêcher? Je ne sais pas. Quand on a vu un poisson, on les a tous vus. Où allez-vous? À la plage. Vous voulez m'accompagner? Pourquoi pas? Et sinon, comment vont les affaires? Attention à la piqûre, mon fils. Les mâchoires qui mordent, les griffes qui lacèrent. Attention à ne pas te faire brûler et à ne pas tomber dans les temps. C'est amusant. J'aimerais Carole depuis. Où vous voyez-vous dans 10 ans à cette même heure? En train de déjouer des complots, pourchassant des petites frappes. Ou vivant dans un igloo, je ne sais pas. Vous serez en vie dans 10 ans, Martin? Je ne sais pas. Comment le saurais-je? Je ne crois pas en ce monde. Je n'avais pas cru en l'ancien monde non plus. Nous ne voulons pas savoir. Peut-être. Mais c'est ce que je ressens. Je sais au fond de moi que j'ai épousé quelqu'un qui n'existe que dans mes pensées. Voilà un moment de réflexion. C'est merveilleux. Vous pensez. Vous êtes l'homme le plus réfléchi. C'est censé être gentil, ça? Vous vous posez trop de questions. 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 Je crois que je vais vous effacer. Je vais prendre mon gros orteil et vous balayer. Défiez-moi. Allez, défiez-moi. J'aurais dû faire ça avec d'autres bien avant. Sauf qu'alors, je ne risquais pas de tomber si loin. Où êtes-vous maintenant? Là? Ou là? Si vous enlevez votre main, je pourrais vous aider. Ton martini est plutôt corsé? Naturellement. On m'a enseigné tous les trucs et astuces de la vie de luxe. Raconte-moi ta journée. Oh. Lunch à midi et demi. Shopping chez Saks. Les plus horribles soldes jamais vus chez Saks. Je ne devrais pas me plaindre alors que j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Ces soldes chez Saks auraient miné n'importe quelle femme saine d'esprit. Où aimerais-tu dîner? Avant le théâtre? Bien sûr que non. Après la représentation. Ah, te souviens-tu de ce restaurant français sur la 8e avenue? Tu vois lequel? Oh oui. Je ne me rappelle plus de son nom, mais je vois duquel tu parles.
S'il s'y trouve toujours. Alors, nous y dînerons. S'il y est toujours, tu ne peux pas me dire son nom ? Eve. Tu ne peux pas me dire son nom ? Evelyn. Commencez à l'étrier et on fera une autre tentative. Je ne vois pas l'intérêt de s'évertuer à pêcher du poisson qu'on ne pourra de toute façon pas manger. D'accord, Martin. Que voulez-vous faire ? Chercher d'autres choses, et pas seulement du poisson. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous craignez qu'en regardant un poisson, vous en deveniez un ? Peut-être, Harold. Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai peur. Quelle loyauté ! C'est sûrement une bonne chose pour vous que le monde se soit arrêté. Car vous n'auriez jamais réussi à rien. Réussir quoi, Harold ? À être millionnaire ? L'argent ? De l'argent et du poisson. Du poisson et de l'argent. Harold. Tout votre argent sale sent le poisson pourri, Harold. Et je ne parle pas de votre odeur. Oh oui, monsieur Gern. La façon dont vous avez gagné votre argent pue. Votre façon de pêcher pue. Et plus que tout, Harold, vous puez. Je joue plus maintenant, mon garçon. La vie est un jeu. Comment tu trouves Evelyn ? Sexy ? Pas mal. En tout cas, trop bien pour vous. Ah ! Tu t'attendais pas à celle-là, hein ? Alors, on fait moi le malin ? Toi qui arrêtes pas de te moquer, mais vas-y, moque-toi ! Tu sais pas ce que le mot décence veut dire, espèce de salopard. Vas-y, rigole. Tu prends Evelyn pour une idiote. Dégage. Tu trouves ça drôle? T'as 2 heures pour foutre le camp. Et pour aller où? À toi de choisir. Alors comme ça, vous exilez un tiers de la race humaine. J'aimerais faire plus, mais je ne peux pas. Tu sais pourquoi tu ne l'aurais jamais eu ? Parce que tu ne sais pas comment lui rendre la raison. Pas encore. Martin nous quitte. Et pas seulement à cause de ce qu'il t'a fait. Ce qu'il m'a fait ? Harold, Martin ne m'a pas violé. Ça suffit. Je ne veux plus en entendre parler. Et c'est pas juste à cause de ça. Nous avions un équilibre, un système. Et il l'a rompu. Harold, que vas-tu faire ? Je sais que tu es blessé. Mais ce système n'a jamais été le sien, ni le mien. Blessé ? Tout d'abord, quand on est arrivé ici, je vous ai demandé des suggestions. Et aucun de vous ne m'a fait aucune réflexion intéressante. Il faut bien que quelqu'un prenne ses responsabilités dorénavant. Bien sûr, tu avais établi un système et nous n'en avions pas. Mais nous avions besoin d'une autre, Harold, pas du tien. Mais tu n'as jamais rien eu. Tu n'avais rien avant que je ne te rencontre. Et rien quand je t'ai épousée. Ton système n'a jamais vraiment marché pour moi. Avec ou sans le monde, ton système est toujours le même. Il me donne tout sauf toi. Ton argent ne vaut plus rien et ce qu'il signifiait a disparu. Et tu ne l'as jamais vraiment réalisé. Ce système, c'était moi et je suis toujours là. Et ça, tu ne l'as jamais réalisé. J'ai fait cet argent. L'argent ne m'a pas fait. Et je détiens encore ce qui m'a permis de l'avoir. Mais alors, sers-t'en pour nous aider. C'est ce que je veux faire. C'est ce que j'essaie de faire. Et Martin ? J'ai ouvert le chemin en me débarrassant de lui.
Harold, sans Martin, que veux-tu qu'on fasse? Je suis marié avec toi, pas avec Martin. Qu'il aille au diable. Où vas-tu? Loin. Que vas-tu faire? Rien. Qu'est-ce que c'est? Un petit mal de tête. Tu veux vraiment partir seul? Je ne veux pas partir du tout. Tu aimerais de la compagnie? Je ne t'empêcherai pas de venir. Alors, demande-le-moi. J'ai besoin que tu me le demandes. Écoute, je ne ressens peut-être pas d'amitié pour cet homme, mais je ne pourrai jamais lui faire ça. Quoi? Le laisser seul. Martin, lui voulait que tu sois seul. Je ne crois pas qu'il sache ce que cela signifie. Martin. D'accord, je veux que tu viennes avec moi. Nous allons faire le tour du monde ensemble. Nous allons prendre le yacht et partir. Vraiment? Vraiment. Que dois-je emmener? Tu peux très bien venir comme tu es. Evelyn! Evelyn! Pourquoi t'es pas encore partie? Je fais mes bagages. Tu as vu Evelyn? Oui. Où ça? Ici. Où est-elle maintenant? Elle est partie. Comment va ton œil? Il voit encore. Je serai près du garage. Je vais devoir partir dès que tu seras prêt. C'est tout ce que tu prends? Oui, c'est tout. Après tout, je ne suis pas le genre d'invité à envahir ses hôtes. Ne te fais surtout pas d'idées sur ce bateau. Il appartient aussi à Eve. Le tiers de ce bateau m'appartient. Oui, mais les deux tiers nous appartiennent. Je vois que vous avez toujours votre grand sens de l'éthique. Écoute-moi bien. Je suis pas obligé de te laisser partir avec cette voiture. Oh oui, je le sais bien. Où vas-tu? Voilà une décision que vous n'aurez pas à prendre. Maintenant, donnez-moi les clés. Evelyn, si tu pars, je ne viendrai pas te chercher. Je ne viendrai pas. Evelyn. Je ne viendrai pas te chercher. Il va nous suivre. Dès qu'il pourra démarrer le camion. Et s'il nous rattrape? Harold peut se montrer très brutal quand il croit avoir été trompé. Les gens qui croient au bien et au mal peuvent être brutaux. En quoi crois-tu, Martin? Moi, en rien. Je suis trop civilisé. Tu as froid? C'est encore loin? C'est environ une heure. Tu as déjà manœuvré un bateau?
Enfin, je veux dire... Tout ce qu'il faudra faire, c'est suivre les îles jusqu'à ce qu'on se retrouve, enfin je l'espère, sur les côtes de la Floride. Une fois arrivé là, il suffira de remonter la côte. Ça te fait mal ? Légèrement, oui. C'est comme s'il y avait quelque chose qui roulait derrière mon œil. Eve, on a une roue voilée. Nous allons devoir marcher. On arrivera à temps? Le yacht est de l'autre côté de cette forêt. On arrivera à temps si on coupe à travers. Viens, on va passer par là. Attends-moi là. Non. Je vais vérifier qu'il n'y a personne. Emmène-moi avec toi, Martin. Je ne veux pas rester seule. Allons, Eve, attends-moi là. Je te rejoins dans l'église, d'accord? Non. Non. Martin, et si nous avions un enfant? Ne serait-ce pas merveilleux d'avoir un enfant? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Écoute, je sais que c'est difficile à accepter, mais l'humanité n'est plus... Et il n'y a donc plus aucune raison pour que des petites Evelyne et des petits Martin courent à travers ces jardins de désolation. Tout ce qu'il nous reste, c'est de vivre sans souffrir. Je reviens tout de suite. Tu ne prendras pas mon bateau. Vous avez oublié? Vous ne possédez qu'un tiers de ce bateau. Où est Evelyne? Elle ne veut pas vous voir. C'est ma femme. Où est-elle? Vous ne retenez jamais rien. Votre bateau, votre argent, votre femme, votre monde, rien ne vous appartient, Harold. Rien. Où est-elle, Martin? Non. Laissez-moi!
Martin. Eve! Martin? Où es-tu? Je ne te vois pas. Je suis là. Descends de cet hôtel. Allez au diable. Descends de là. Je ne vois pas d'église. Qu'y a-t-il, Harold? Qu'y a-t-il? Vous avez peur que le plus grand de tous ne vous approuve pas? Il n'y a plus d'église, plus de banquier, plus de Dieu. Plus de crayons, plus de livres, plus d'enseignants. C'est moche, hein? C'était plutôt stupide de rester là à vous regarder être heureux. C'est vrai, Harold. Vous pouvez régler tout ce qui se passe. Vous pouvez diriger le monde tout seul. N'est-ce pas que vous pouvez... Eve. Je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Mes yeux ne voient plus. Je ne vois rien. Je n'ai même pas emmené mes lunettes. Mais j'entends. Je l'ai tué. Nous n'apprendrons donc jamais. Il n'y croyait pas. Viens, rentrons. Rentrez où ça? Ensemble, nous trouverons.